est le loup ? Une histoire contée par Praline Guépara, illustrée par Hélène Micou, aux éditions Didier Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clou. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'habille et pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe. 7 jupes et jupons. Elle ferme sa porte et s'en va. Bedam bedi, la petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Tu es fou, le loup. Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais je vais au mariage de ma fille. Pendant 3 jours et 3 nuits, je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors tu pourras me manger et te régaler. Pas bête la grand-mère. À ton retour, je te mangerai. Bedam bedi, la petite grand-mère est repartie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille : Il y a un loup sur le chemin. Il m'attend pour me manger. Ne t'inquiète pas, répond sa fille. J'ai ce qu'il faut pour te cacher. Elle va dans son jardin, cueille une grosse pastèque et la coupe en deux. La petite grand-mère s'installe dans la pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque sous le poids de la petite grand-mère se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule, boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose ? Je n'ai vu personne, le loup. Mais je suis très pressée, alors tu me manges vite ou tu me laisses passer. Moi, un loup affamé, manger des pépins et de l'eau sucrée. Tu me prends pour une chèvre ou quoi? Allez, roule ton chemin à la pastèque. Le loup donne un coup de pied dans la pastèque qui se remet à rouler. Roule, roule la pastèque, roule, boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle, avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà, c'est tout.